Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du secret de Tanka de Nicolas Gaube. Hep, temps mort. Dis-moi, Nicolas Gaube, c'est pas aussi quelqu'un qui fait des vidéos sur les livres? Si. Et le nom de sa chaîne, ça serait pas Nicolas Gaube? Bingo. D'ailleurs, vous trouverez tout ce qu'il vous faut par ici et dans la description pour y accéder. Ce roman est le croisement... Pourquoi tu rigoles? Bah, il y a un chien sur la couverture, croisement, chien, tout ça. Oh, je sens que ça va être compliqué aujourd'hui. Ce roman raconte les aventures parallèles puis croisées de plusieurs personnages. Jean-Pierre Cabanel, un homme aigri et atteint d'un cancer. Bon, ok, je rigole plus là. Merci. Tanka, un chien un peu spécial. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Alors ça fait partie des trucs que je ne peux pas révéler. Marek, un mec un peu chelou qui fait du trafic de chiens. Entre autres. Rémi, un jeune homme dont le père vient de le mettre à la porte en apprenant son homosexualité. En fait, il est super triste ce livre, non? Ah non, ce n'est pas un livre triste, c'est un livre plein d'émotions. Nuance. Je continue. Et Alice, une jeune fille captive et malade. Plus quelques autres personnages qui gravitent autour, bien sûr. Leurs destins sont liés et reliés grâce à Tanka. Il est trop mignon d'ailleurs ce chien! Je valide. Tanka, sur qui est pratiqué des expériences, parvient à s'échapper. Il arrive en ville et sent une odeur familière. Celle du cancer de Monsieur Cabanel. Il décide donc de suivre ce monsieur, qui va finir par l'accepter bon gré mal gré chez lui. Ce qui va finalement lui rendre bien service. À côté de ça, on a Rémi, qui se retrouve un peu SDF et qui se réfugie au cimetière face à la tombe de sa mère. Où il va rencontrer quelqu'un de familier aussi. Marek, le trafiquant de chiens. Entre autres. Détenait aussi Tanka. Et il part donc à sa poursuite, parce que ce chien est spécial. Oui, tu l'as déjà dit, mais t'as toujours pas dit pourquoi. Parce qu'il faut lire le livre pour le savoir. Bref, pendant ce temps, la maladie d'Alice gagne du terrain, elle est cloîtrée au même endroit que l'était Tanka, et c'est elle qui l'a libérée. Tout va se compliquer lorsque Tanka va se faire remarquer aux infos, et que Marek aura donc un moyen de le repérer. Mon avis? Oui, je sais, j'ai pas fait mon focus sur, mais je le ferai après, par souci de cohérence. Ok, c'est toi le chef. Je valide. C'est un roman très original qui utilise des thèmes difficiles ou rarement traités en littérature. Le cancer, l'homosexualité, la vivisection... Et qui reste tout de même très frais, optimiste, bien rythmé, bien construit... Et avec du suspense. Les personnages ne sont pas manichéens. On s'aperçoit que même les méchants ne sont pas si méchants que ça, et que les gentils ne sont pas tendres non plus. Oui, Jean-Pierre Cabanel en est un exemple dès le départ. Et ça colle mieux avec la réalité. Les débuts de chapitre ne présentent pas toujours d'emblée le personnage dont il va être question. Et certaines situations pourraient correspondre au personnage du chapitre d'avant. Alors que non, en fait, c'est pas du tout le même. Cette technique crée encore plus de liens entre les personnages. On ressent ainsi dès le début que leurs destins sont liés. À la fin, ce qu'elle va dire n'est pas explicitement spoiler, mais si vous ne voulez pas en savoir davantage, arrêtez-vous ici ou passez directement au focus sur. À la fin, on se dit que ce livre est un peu comme une préquelle de Demain les chiens de Simac. Et en fait, tu as vu que le prochain Verbère va s'intituler « Demain les chats ». Oui, tu es dans ma tête, je te signale, alors je le sais aussi. Je disais que ce livre m'avait fait penser à une préquelle de « Demain les chiens » par le thème abordé. Celui du développement de l'intelligence animale. Oui, je reprends. Mais aussi donc à la planète des singes, mais avec des chiens. Alors là par contre, je n'ai pas lu « Shame on me », le roman de Pierre Boulle. Je n'ai vu que la série et les films. Mais attention, ce roman-là n'est pas un roman de science-fiction. Pourtant, il y a de la science dedans, et c'est de la fiction. Certes, et certes aussi, la science-fiction a une définition très floue. Je le sais, c'est écrit dans le livre « Paralittérature » de Daniel Fondanèche. On ne peut pas dire non plus que c'est de l'anticipation, car ce genre littéraire, qui est un sous-genre de la science-fiction, relate des histoires se déroulant le plus souvent dans un futur plus ou moins proche. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est l'objet de mon focus sur le roman scientifique. Le roman scientifique a vu pleinement le jour au 19e siècle avec des auteurs comme Jules Verne. Bizarre, tu ne cites pas Poe? Non, parce que je parle de roman et que Poe n'a pas vraiment beaucoup écrit de romans scientifiques. Mais c'est vrai que Jules Verne s'est inspiré de lui. Reprenons. C'est un genre qui a eu beaucoup de mal à trouver sa place au sein de la littérature. Parce que dans une espèce d'inconscient collectif depuis le 17e siècle, l'art et la science font partie de deux institutions bien distinctes. Avec quelques exceptions et tentatives de rapprochement plus tard, avec Diderot et d'Alembert, Hugo, Verne, etc. Alors allier les deux, ce n'est pas forcément bien vu. Oh là là, mélanger l'art et la science, oh là là! Si bien qu'au cours du XXe siècle, on ne trouve pas beaucoup de romans scientifiques. Alors qu'au contraire, bizarrement, la science-fiction fait un bond de géant. Plus on se rapproche du XXIe siècle, plus cette littérature refait néanmoins surface. Et là, tu penses au premier roman de Verbère. Effectivement, pour le plus connu en France. Et je pense qu'avec cet engouement pour la vulgarisation scientifique sur le net, le roman scientifique a de beaux jours devant lui. Ce genre littéraire, c'est tout d'abord de la fiction qui a pour thème la science. Ici, c'est la génétique et la biologie. Il a aussi en général vocation à vulgariser
vulgariser, populariser certains sujets scientifiques. Moi, je kiffe ce genre de roman parce qu'on apprend des trucs qu'on n'aurait pas cherché à savoir par ailleurs. Mais aussi, la science peut être le point de départ de certains romans, comme les thrillers scientifiques. Comme Jurassic Park de Michael Crichton, pas mal de romans de Douglas Preston, Franck Tillier et son Pandemia, par exemple, et beaucoup d'autres. Ici, c'est peut-être plus une aventure contemporaine qu'un thriller scientifique, même s'il y a une part de suspense et que c'est construit de manière haletante. On pourrait en faire un film ? Oui, je pense que ce serait très bien adaptable à l'écran, effectivement. Notons qu'en plus de l'aspect scientifique, il y a aussi des aspects sociologiques et éthiques dans ce roman. Les aspects sociologiques, philosophiques et éthiques sont quasiment indissociables du roman scientifique, d'ailleurs. On y aborde en effet l'intolérance et l'incompréhension face à l'homosexualité d'un côté, et les expériences scientifiques faites sur les animaux de l'autre. Voilà, en conclusion, je vous dis de vous jeter sur ce roman, vous allez littéralement tomber sous le charme de ce petit Anka. Et sur ce, bonne lecture! Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo des rats de bibliothèque sur ce même roman, et ainsi que la chaîne de la science dans la fiction pour rester dans le thème.